Non, je ne suis pas encore une cigale, mais cet exercice est très utile pour mobiliser, travailler et muscler le diaphragme. Le diaphragme, vous le savez depuis quelques semaines maintenant, on en a déjà parlé, c'est ce muscle sur lequel sont les poumons. Et ce muscle, en s'étirant, va créer un espèce d'appel d'air et participer au gonflement des poumons. La problématique qu'ont certaines personnes, c'est que ce soit sans parler ou en parlant, et c'est plus le cas en parlant, le diaphragme n'est pas assez musclé. Et s'il n'est pas assez musclé, il ne descend pas assez. S'il ne descend pas assez, l'appel d'air n'est pas suffisant et donc les poumons se gonflent mal. Cet exercice de la cigale va vous aider à muscler le diaphragme. Lorsque vous le faites, vous sentez que quelque chose travaille, que l'air est expulsé. C'est donc que le diaphragme bouge. Il est très intéressant pour muscler son diaphragme et donc être plus à l'aise avec la respiration ventrale. Je vous invite donc à le pratiquer régulièrement, notamment si pour vous la respiration ventrale, la respiration basse est compliquée. On en a déjà parlé dans de précédentes vidéos. Vous pouvez évidemment aussi télécharger mon livre « Silence » qui est en description si vous voulez aller plus loin. En tout cas, je vous invite à le pratiquer pour muscler votre respiration ventrale. Ce sera ma façon pour moi de vous dire à demain. Bon travail.